Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de Judgment. Dans la session précédente, eh bien nous avons changé de chapitre, je me souviens bien. Nous en avons terminé avec le meurtre de Masakazu Kurimoto. Nous savons maintenant que c'était Amora, bien sûr, qui est visée par tous ces meurtres, guerre entre les familles, mais pas seulement. Aussi une histoire de corporation, hein, d'une entreprise qui gérerait une multinationale peut-être, je ne sais pas, une grande entreprise en tout cas, qui gérerait des chantiers de la construction, qui est très intéressée par la ville de Tokyo, qui voudrait s'étendre, et qui s'est liée, on ne va pas dire d'amitié, mais en tout cas financièrement, à l'une des familles yakuza, à savoir le clan Kyolei, qui maintenant est en train de tenter de se venger de la famille Matsugane. Et sur le gâteau, nous avons maintenant, c'est notre nouvelle affaire principale, trouvé dans notre bureau, donc nous sommes clairement ciblés, dans notre bureau, à l'intérieur de notre placard, l'ancien collègue Masamichi Shintani, qui commençait à être très très proche de la famille Tsugane, hein, depuis qu'il avait défendu Amora au tribunal. On l'a retrouvé mort, avec les yeux atomisés, hein, comme d'habitude, marque de la taupe, mais également une balle, il serait fait tirer dessus dans le torse ou un truc du genre, ce qui est assez différent du mode opératoire habituel. Peut-être sans contrefaçon, il est un garçon. Peut-être un faux. Peut-être quelqu'un qui essaie de se faire passer pour Jean-Jacques. Pendant ce temps, le clan Keihin continue de faire des siennes et de plus en plus présent dans les rues. Et peut également maintenant avoir un niveau d'alerte. Avec des boss à vaincre. Donc la situation devient de plus en plus difficile, y compris dans les rues. Ah et Sana-chan, comment oublier Sana-chan? Sana-chan qui nous a avoué ses sentiments. Maintenant, niveau carrière, tout a l'air de bien aller. Son agent la comprend. Il est en mode oui, pas de soucis. Si tu veux pas être célibataire, tu ne seras pas célibataire. Je vais essayer d'en parler au PDG, tout ça, tout ça. Et elle nous a ensuite avoué ses sentiments et nous avons repoussé ces derniers. En notre perso, il n'y a pas été de main morte, il était en mode oui, non, moi je suis amoureux de mon travail, tout ça, machin. Moi je voulais plutôt qu'il soit en mode. Ça, chat, t'es bien gentil, mais t'es plutôt une petite sœur, tu vois. Bref, on n'a pas eu de nouvelles depuis, on espère bien sûr que tout se passe pour le mieux pour elle. Je réfléchis. On a bien sûr l'histoire, hein, qui continue par ici. Tout le bureau des avocats est extrêmement impatient d'entendre notre version des faits quant à la mort de leur collègue, hein, bien sûr de leur employé. Mais je suis en train de me dire peut-être qu'on ferait pas une petite course de drone là, parce que c'est vrai qu'on a quand même chopé énormément de vis, de plaques de plastique et ce genre de choses. Au fur et à mesure de pérégrination, peut-être qu'on a assez de. Ouf. Peut-être qu'on a assez de choses pour. Améliorer notre drone. Ce qui nous permettrait d'être toujours plus efficace. On a récupéré beaucoup d'éléments de craft, mais pas encore l'occasion de vraiment rentrer dans la boucle de craft elle-même. Donc voyons voir. Et nous sommes milliardaires, enfin millionnaires plutôt. Millionnaires, nous avons dépassé le million de yens. Vive nous. Alors. Ah, je n'ai pas assez de peinture unie. Et je n'ai pas de peinture tout court. C'est un problème. Mais ça c'est juste pour le fun ça. Voilà, si je vais dans châssis. Bon, les châssis, c'est ça, hein, c'est pour le fun. Après, on a ça. Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour les moteurs. Ah, pour les hélices, avec du plastique bon marché, je peux faire une hélice S. Mais bon. Quitte à utiliser mon plastique, autant que ce soit pour quelque chose de mieux, quoi. Oh! Super turbo. Super turbo. Je sais pas à combien je suis actuellement en fait. Il y a aussi ça. Vieux circuit et câble abîmé. Ouais, j'ai envie d'économiser autant que faire se peut. En vérité.
Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça me fait que coûter de l'argent. Turbo 10. Maniabilité 6. Ah, il y en a un qui est plus vitesse. Un qui est mélange turbo-maniabilité. Et un qui est... D'accord. Mais j'ai quoi, moi, actuellement, sur mon... Sur mon drone? Turbo standard. 5-5-5. J'ai un truc dégueulasse, moi. Qu'on se le dise. Qu'on se le prête pour acquis. Donc je peux au moins prendre le ESC. Vitesse, maniabilité. Maniabilité turbo, ça me tente bien. Après c'est celui-là qui coûte le plus cher, c'est qu'il doit valoir le coup. On va prendre tous les trois. On s'en fiche. Non? Oui. Alors, El Dronos. Ouais, c'est là-dedans. Bon, le plus cher, c'était lui, donc peut-être que niveau turbo, ça doit valoir le coup. De toute façon, je suis en maniabilité 5, donc passer à 6, toujours bien. Et pour le reste, par contre, j'aimerais économiser des pièces pour rendre des trucs mieux. Avec un peu de chance, ça suffira pour le second Grand Prix. On espère. Mais le, j'ai chopé en plus un carton de pilote de drone. Mais je sais toujours pas comment ouvrir mes cartons. J'ai toujours pas regardé. C'est un problème. Alors, parcours simple mais inversé cette fois. D'accord. C'était 5 courses, hein, je crois, le Grand Prix précédent. J'ai oublié les touches. J'y crois. J'y crois, Mar. Ils sont plus rapides que précédemment. Heureusement, mon turbo devrait faire la différence. Pas du tout. Il me dépasse. Il me dépasse. Bon, c'est le moment, il va falloir que j'améliore mon drone avant de faire le Grand Prix. J'ai l'impression. Non! Terrible. Deuxième tour. Ah, je suis pas terrible, hein. Je suis dernier là. Même avec des manœuvres sur les angles, je passe que 9ème. Souvent, c'est pas avoir. Ok, on prend des risques. Ah, dommage. Ah non, je pense que c'est mort. Ouais, première place là. Compliqué. Ouais. Ouais, 7ème. Il va falloir que j'améliore mon drone avant de faire ce grand prix. C'est mort. Trop de bonnes stats chez les autres gens. Alors je pourrais faire des courses simples pour choper des prix aussi. Il faudrait que je cible ce que je veux prendre. Bon, ça en tout cas c'est mort. El Grand Prix, c'est complètement mort. Qu'est-ce qu'il me faut pour choper des bonnes pièces? Le châssis Osef, hein, ça change pas les stats, c'est juste pour le fun. Ok. Alors le moteur. Le moteur, si je veux un truc bien. Si je veux le meilleur. Il me faut. Trois aimants usés et trois câbles abîmés.
aimant usé, câble abîmé. Est-ce qu'il y a des... Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des... Les courses qui me donnent ça. Aimant usé, des aimants. Câble de qualité. Petite plaque. J'ai l'impression que ça donne des aimants. Hein. Donc je peux pas avoir toutes les pièces comme ça. Donc il faut forcément que je fasse d'autres choses en plus de faire les courses. Faut que je les trouve dans la rue. Ce genre de truc quoi. Bon. Et ben, on reviendra quand on aura plus de pièces. Ou si un jour je fais le tour des QC. Des codes. Des QR codes. On verra à ce moment-là. Ça fait mal, hein, ça fait mal à l'ego. Vigilance hein, sur les QR codes, bien sûr. Au niveau du bureau, il doit bien y en avoir un. Sans doute. Il y a tellement de trucs partout. Pardon, excusez-moi. Bon, c'était la tentative. Mais au moins, maintenant, on connaît notre limite au niveau des drones. Oui, plutôt oui. J'ai perdu au drone. Pas de soucis. Faisons notre rapport. 130 PA.新谷先生と連絡が取れないって沙織さんからそう聞いたんで電話をかけてみました。その着信音がうちのクローゼットの中から聞こえてきたんです。新谷はモグラの手口でやられてました。モグラの手口って、じゃあ新谷先生も目を。 え、えぐられてた。でも、イマジン、リネット。強霊界に狙われてたはずが、モグラにやられるなんてな。新谷先生、今日何か知っている口ぶりでしたよね。ああ。どうせヤクザ同士の抗争とでも思ってんだろう。でもな、モグラはそんなんじゃねえんだよ。あの人は何か、俺も知らないモグラの情報を持ってた。 多分ハムラからの仕入れだ。その口封じに殺されたのかもしれない。あのモグラが新谷先生を矢上さんの事務所で発見させた理由は何でしょう。わかんねえ。奴を追っている俺への嫌がらせか脅し。その両方かも。言い続けてパシフィックさんのパパマシ。矢上。はい。 Vous savez, on suit avec trois gangs en même temps, ça va voir, donc bon. あいつ頭が良くて 俺なんかより何でも容量が良かった。ただいざって時の育児はねえし、弁護士としちゃ粘りも良い。それでもずっと俺についてきてた。この先もずっとそばにいるもんだと思ってた。初めて俺がここに来た時、 C'est beau de le reconnaître. Vous aurez une bonne pensée pour lui, malgré le fait que... Il nous a pas écouté. Ah, cool.
星野君は僕はもう少しやってから帰りますんで。そっか。じゃあお先。おやすみなさい。 Toujours le dernier à partir du bureau. Hein. Il est motivé. C'est le petit nouveau. Hein. Le petit nouveau est toujours motivé. Ah, merci. Ah, c'est bien gentil ça. Ah, ça tombe bien, j'ai l'impression qu'on est en privé. Qu'est-ce que tu veux ? シンタニ先生の件なんですけど矢上さんさっき言ってましたよね源田先生にしばらくおとなしくしてるってでも本当はモグラを大きでもしそうだとしたら源田先生には黙ってますただその代わり 僕もいいですか一緒にモグラを追いかけてあ、いや、コペットマンショー。矢上さんたちの足は引っ張りません。だから、セモホビン。もしかして、シンタニの敵打つため?あの人はいつも自分に自信がないのを虚勢で隠して、分かりやすい人でした。見た目や態度よりずっと弱かったはずです。ハムラの頭とだって、 好きで付き合ってたわけじゃない。ヤクザなんて怖いに決まってますよ。その結果が今回の事件です。僕はいつも新谷先生のすぐそばにいたのに、何の力にもなれなかったんですよね。ハイミュージック、セルテンドオービーナ。本当に僕は若造で、自分でもまだどんな弁護士になりたいのかさえ分かってません。刑事弁護なのか、 それとも民事でやっていきたいのかすら。でも仲間が殺されても知らん顔なんて、そんな弁護士になるのだけはごめんです。ですから。いいのか?源田先生はおとなしくしろって言ったんだ。なのに君が俺と動いたら。気にしないでください。自分の弁護は自分でできますから。だから矢上さん、いいですか?僕も一緒に。 ああ、まあ、パーツは強いわ、コンタ。オッケーしないと源田先生にチクるんだろう。ええ。申し訳ないですけど。よし、わかった。じゃあ早速一つ頼まれてくれ。ほらら、あのトリキップ、キッドリアテマゴン。まず殺される前の新谷が何をしようとしていたか知りたい。で、そいつがわかるかもしれない証拠があるんだ。je oui、リストリーデザペル。パフ。今日新谷がスマホからかけてた電話番号。これがどこのものなのか知りたい。なるほど、了解です。でも運が良かったですね。犯人がスマホを残すなんてミスしてくれて、こうやって通話履歴も見れるし。いや、ミスじゃない。スマホの端末をどうしようが通話履歴は残るんだよ。あ。 そうなんですか。ひょっとしたらモグラは早く俺に死体を見つけさせたかったのかもな。え？わざわざうちの事務所なんてとこに死体を隠したんだ。どんな騒ぎになるかすぐ見たかったとか。あ、さっきの電話番号ネットにありました。あ、まあ、たまに。先端創薬開発センター。 そこの代表。ケスコセクサーか。なんだって。知ってる場所ですか。3年前、その創薬センターで殺人があった。あ。入院中の患者がそこで殺されて、山に捨てられたんだ。そして捕まった犯人が大久保新平。大久保って。あ、c'était notre cas à nous。 Bah oui. Tout se recoupe.
回収したシーツごと死体を運び出したとされてた。そうでしたね。その裁判で八神さんは大久保を無罪にして、でも彼はすぐに次の事件を。もうそこまででいいよ。Je crois qu'on va résoudre le... la deuxième affaire du passé en même temps qu'on va résoudre le présent. Oui, et puis nous on a plus vraiment de bureau. Oh, le Charles. Ce sera notre nouveau QG. Ah, c'est Higashi qui va être content. Tant qu'Aborasca, ça passe quoi. Mais après, quand la famille Matsugane va commencer à prendre du poil de la bête, il va falloir qu'on trouve un autre QG.